la mitomo. Yahweh, Yahweh, beni saniko. Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre, messieurs et dames. Bienvenue à ce journal réalisé par Gomez Tamba et Hervé Mena. Dans l'actualité provinciale, la coordination provinciale du programme national des jeunes aux frontières, PNHF en sigle, Congo Central, vient d'acquisitionner un engin de plus. Il s'agit donc d'une Jeep Land Cruiser 4x4, un don du gouvernement central. La cérémonie des remises officielles donc, s'est déroulée ce mercredi 8 mai 2024 au siège d'exploitation de ces services spécialisés du ministère de la Santé et Public. Hygiène et prévention. Les détails. Cette Jeep Land Cruiser 4x4 Pimpa neuve est un don du gouvernement congolais pour la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF Congo Central. La cérémonie des remises officielles de cet engin s'est déroulée ce mercredi 8 mai 2024 au siège d'exploitation de ces services spécialisés du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Elle a été présidée par le directeur national, Dr Justice Ntio. En provenance de la ville province de Kinshasa, il a été accueilli par les coordonnateurs provinciaux, Dr Antoine Yoba. Après son installation, l'hymne national et les mots de circonstance du coordonnateur provincial PNHF Congo Central ont marqué les débuts de cet événement historique. Nous avons en ces jours inoubliables et une joie immense parce que nous avons attendu longtemps cet événement. Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude vis-à-vis de notre hiérarchie. Nous souhaitons la bienvenue au directeur national, mais aussi à toutes les autorités ici présentes. Dans ce mot, le directeur national a plébiscité les efforts du gouvernement qui ne cesse de travailler bec et ongle en poursuivant ses objectifs dans plusieurs secteurs, notamment celui de la santé publique. L'activité de ce jour marque la volonté de notre pays et du programme à poursuivre ses efforts dans l'atteinte des objectifs en lien avec la sécurité mondiale. Permettez-moi d'insister en vous disant que l'événement de ces jours consiste à la remise officielle de ces véhicules qui va constituer l'effort dans la mise en place des capacités minimales requises à tout moment et au moment des urgences ici dans le Congo central. Les mots de félicitations s'en sont suivis. À travers ces gestes, il s'agit pour nous de soutenir les acteurs de la coordination qui sont très dynamiques et très engagés dans les combats de portée non seulement nationale mais aussi internationale qu'est le règlement sanitaire international. À l'issue de son allocution, le directeur national du programme national de l'hygiène aux frontières a procédé à la coupure du ribas symbolique, signe marquant la mise en service officielle de cet engin d'utilité capitale pour le PNHF Congo Central. Notons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités du secteur de la santé. En l'occurrence, le médecin inspecteur provincial, Dr Sabin Ilungu, la commissaire générale en charge de la santé représentée et la délégation de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. À la présidence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mercredi 8 mai 2024 en son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa une délégation du Fonds monétaire international. Mamine Boudi pour les détails. Au terme de sa mission de 2 semaines en RDC, la délégation du Fonds monétaire international FMI en sigle a été reçue en audience ce mercredi 8 mai 2024 à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette délégation est venue présenter les conclusions des travaux avec les autorités congolaises au chef de l'État. Au sortir de leur échange, le chef de la délégation, Caliste Autposi, a fait la restitution
restitution à l'issue du tête-à-tête. Je peux dire que au regard des engagements qui ont été pris et des progrès réalisés, j'ai le plaisir de vous annoncer, comme je l'ai annoncé au président, que notre mission et les autorités sont tombées d'accord. Nous avons trouvé un accord que nous allons présenter ensuite à notre direction générale pour approbation. Et ensuite, ce sera discuté par le conseil d'administration pour conclure la sixième revue. On a évoqué les réformes qu'il faut entreprendre, les réformes globalement pour la diversification de l'économie, pour les dépenses sociales, tout un ensemble de mesures qui vont aider à réaliser les priorités du président du gouvernement. Déjà, je peux commencer par 2023, la croissance a été 8,3%. Et pour cette année, nous prévoyons un peu plus de 5% parce qu'il y a une forte croissance l'année dernière. La tendance va continuer, mais un peu plus de 5%. Mais il faut reconnaître aussi que la conjoncture internationale est difficile et ça contribue également au dollar qui est assez fort, qui met de pression pour tuer beaucoup de monnaie. Aussi, comprenons qu'il y a des efforts qu'ils doivent faire au plan national pour essayer de contrôler l'inflation du temps que possible. Signalons par ailleurs que c'est depuis le 25 avril dernier que cette délégation avait posé ses valises en RDC pour mener des discussions sur la politique monétaire interne. Quittons donc la présidence pour la Chambre basse du Parlement. La nouvelle date pour l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale est fixée au samedi 18 mai 2024. La publication du calendrier électoral a été faite donc ce mercredi 8 mai dans la soirée. Claudine Lucane. Prévu le 8 mai dernier, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale a été reportée. La cause étant l'absence de plusieurs députés dans la capitale pour assister aux élections des sénateurs et gouverneurs dans différentes provinces. Une situation qui a suscité la réaction de quelques députés réunis au sein de la dynamique surveillance. Ce caucus des élus du peuple a lancé un ultimatum de 70 heures au président du bureau d'âge, Christophe Mbosonkodia. Il y sollicite donc l'organisation de l'élection pour la mise en place du bureau définitif. Faut-il rappeler aux membres du bureau provisoire que l'article 25 de notre règlement intérieur dispose que dans les 5 jours de la notification de l'arrêt de conformité du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique à son sein, de la représentation équitable de la femme et des provinces. Eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur, la dynamique surveillance se réserve en nom et pour l'intérêt du peuple le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en ayant 72 heures dans les cas où le processus de l'élection et l'installation du bureau définitif ne se poursuivrait pas. Dans un communiqué publié ce mercredi 8 mai dans la soirée, la nouvelle date de l'élection et de l'installation du bureau définitif est connue. Son élection et son installation sont prévues pour le samedi 18 mai prochain. Le dépôt des candidatures est prévu du vendredi 10 au lundi 13 mai. Vendredi 14, examen des dossiers des candidats. Et jeudi 16 mai 2024, campagne électorale. Signalons que l'audition en séance plénière des messages des candidats est prévue le même samedi 18 mai avant l'élection et l'installation du bureau définitif. Page sportive à présent, tenue mercredi 8 mai à Kinshasa de la cérémonie et du tirage au sort pour l'organisation de la Coupe du Congo Football, 58e édition. La compétition annonce les couleurs avec un format expérimental, Rivencial. Les dates et lieux sont à fixer dans les jours à venir par la Fédération Congolaise de Football Association, l'instance première du foot en République démocratique du Congo, en son siège à Kinshasa, a tiré au sort les équipes inscrites à la 58e édition de la Coupe du Congo.
Parmi elles, on compte deux formations du Congo central, l'association sportive Veti Club et le cercle sportif Imana Daring. Au cours de la cérémonie tenue mercredi 8 mai, les clubs de Matadi ont hérité de l'espérance sportive de Louélé pour Veti Club et de Céleste Football Club pour Imana Daring. C'est dans un format à élimination directe que les 28 clubs en lice vont s'affronter à chaque étape jusqu'au bout, soit en finale. Comme le confirme Maître Innocent Kibundulu Kazadi, secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association, dans ses propos. Nous commençons par les 16e de finale, en élimination directe sur un match. Nous passons directement au 8e, élimination directe sur un match, au quart, au demi et à la finale. Qu'en réalité, nous n'avons besoin que de 5 journées de match, maximum 15 jours. En termes de valeurs marchandes, il y a un vrai club, un Mazembe qui arrive. Quand ça joue, ce n'est pas n'importe quoi. Ce format révisité, qui élargit le champ de compétition, a été bien accueilli par les amoureux du ballon rond parce qu'il ne bloque pas l'accès à la Coupe du Congo aux équipes engagées à la Ligue nationale de football, première et deuxième division, raison de la présence du tout-puissant Mazembe Englebert, de l'association sportive Vita Club, de Veti Club et autres. C'était donc le tirage au sort pour l'organisation de la Coupe du Congo de football, 58e édition. Dans la page internationale, plusieurs étudiants dans le monde décident de protester contre la guerre à Gaza. C'est le cas en Afrique du Sud des étudiants pro-palestiniens à l'université de West ont remis mardi dernier une lettre et des requêtes à la direction universitaire. TV5 Monde. Devant les colonnades du bâtiment emblématique de l'université de Witz, ces étudiants sont venus appeler leur institution à prendre position contre Israël et à couper tous ses liens financiers. Witz a beaucoup de liens. Récemment, l'université a accepté une donation de 80 000 randes de l'ambassade d'Israël et de la Fédération sioniste sud-africaine. Elle emploie aussi un professeur qui a servi dans l'armée israélienne. Dans cette lettre, remise à l'un des doyens de l'université, les étudiants réclament de la transparence concernant les liens notamment commerciaux entre l'université et des entreprises israéliennes et appellent à les boycotter. Nous demandons à notre direction, qu'est-ce que vous faites vraiment? Quelles mesures prenez-vous pour vous assurer que votre gouvernance est irréprochable? Pour vous assurer que nous soyons du bon côté de l'histoire? C'est le minimum que l'on puisse faire. C'est important de s'exprimer en tant qu'étudiant parce que nous sommes la prochaine génération, celle qui est censée construire un monde meilleur. Alors qu'Israël a lancé son offensive à Rafah dans la bande de Gaza et que plus de 34 000 Palestiniens ont été tués selon le Hamas depuis l'attaque du mouvement palestinien le 7 octobre, ces étudiants et leurs professeurs ont voulu se joindre au mouvement de solidarité mondiale observé dans de nombreuses universités. C'est absolument crucial pour une telle université qui, pendant l'apartheid, s'était tellement engagée contre le régime, qu'elle ait aujourd'hui la même éthique et la même moralité. Et en particulier dans la mesure où toutes les universités de Gaza ont été détruites. Les étudiants n'ont pas prévu d'occuper les locaux, mais ont exigé une réponse dans les 7 jours, ce que l'université, qui n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment, a promis de faire. Messieurs et dames, c'est la fin de ce journal. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.